Quand Jean-Marie de Nantes revint de la Trinité, il déposa son sac aux pieds de son hôtesse. Dans un bar pavoisé par toutes les promesses, le bistrot de Simone, à l'autre bout du quai. Qui donc a entendu cette vieille histoire-là? Qui donc l'a racontée tout bas de porte en porte? Chez Daisy, chez Simone ou chez Encarnita? Qui l'a confiée au vent? Au vent de la rumeur, Simone aime les matelots, les matelots aiment qui les aime, et moi je peux penser de même, car c'est là mon moindre défaut. Et si la mer plaît aux Bretons, c'est qu'elle les tient en son giron, et tant pis pour qui mal y pense. Ça n'a pas tellement d'importance. Un homme qui revenait de Gibraltar port franc avait dit à Simone, on ira en Afrique, à Zanzibar au lieu de boulotter les briques. Je te couvrirai d'or ou qui vaut mieux d'argent. Tu reviendras à Nantes quand il en sera temps, dans le jour enchanté de notre indépendance. Quant à ton homme Simone, c'est qu'une affaire de sang, et ça n'a vraiment pas une telle importance. Simone aime les matelots, les matelots aiment qui les aime, et moi je peux penser de même, car c'est là mon moindre défaut. Et si la mer plaît aux Bretons, c'est qu'elle les tient en son giron, et tant pis pour qui mal y pense, ça n'a pas tellement d'importance. Simone ne sut jamais le vrai mot de la fin. Les quarts de la police sonnaient partout l'alarme, les filles jacassaient au milieu du vacarme, et pendant quelques jours, ce ne fut qu'un refrain, à peine chuchoté dans tous les clandestins. Ce refrain qui n'était qu'un souvenir de bagarre entre le gars de Nantes et l'homme du destin, au moment historique où les couteaux s'égarent. Simone aime les matelots, les matelots aiment qui les aime, Encarnita pensait le même. Moi je vais me tirer au plus tôt, j'irai me créer chez Hamedon, devant la Seine et ses chansons, pour prendre un bon coup d'innocence. Et rien n'aura plus d'importance.